Quand les maladresses s'installent et que la force physique fait défaut, le quotidien du grand Moon se complique lorsqu'il vit seul chez lui. Si de surcroît il se déplace avec difficulté, il arrivera un moment où son maintien à domicile sera problématique. Quel dispositif du Conseil général tente de régler cette situation ? On ne va pas, avec les chiffres qui sont annoncés, construire des places pour l'accueil de toutes les personnes en dépendance. C'est impossible. Les bailleurs sociaux, moi je râle et je dis au directeur de la SIDR, mais quand on construit des logements, 300 logements, ou dans 300 logements, on fait 250 T1, T2, et que la pointe 1 seule n'est pas un T4 ou un T5, ou bien, ou induit des ruptures familiales. Puisque comment on veut y amener le belle-mère, le mama, on a pris des modèles, on a mis ici, on a refait pareil, et donc on a cassé des modèles aussi. Donc moi je vois ça tous les jours, mais si on arrange son toilette, ou mettre une rampe pour lui rendre sa case, eh bien, où est Dali ? La santé c'est aussi ça. Donc l'amélioration de l'habitat, le maintien à domicile, ça passe par une politique de l'habitat qui soit associée. Ça passe par des constructions de logements qui permettent à des gens de garder d'autres mamans ou des autres belles-mères avec d'autres, avec le bon marmaille, avec des 5, des T4, des T5, etc. Ça garde sur des immeubles, des bas d'immeubles avec un petit jardin ou des jardins familiaux qui sont à partager. Donc il faut trouver d'autres structures, ce que nous on essaie d'apporter là, les mayas, des petites unités individualisées où les parents peuvent habiter là, les grands-parents là, avec des immeubles juste à côté. C'est ça qui... C'est des modèles comme ça. Maintenant, les EHPAD sont quand même destinés à pouvoir accueillir des personnes dépendantes. C'est ça un petit peu l'évolution de la maison de retraite. Et donc, on devrait aussi, nous EHPAD, accentuer notre accueil sur des personnes dépendantes, laissant comme ça la possibilité aux personnes qui ne sont pas dépendantes de pouvoir bénéficier d'autres structures ou en tout cas de tout ce que le Conseil général met en place, de maintien à domicile ou d'aller vers des familles d'accueil. Il faut avoir des revenus minimums et si vous ne les avez pas, les familles ou la personne intéressée, le futur résident, fait une demande d'aide au Conseil général. Sur 60 résidents que nous accueillons, 59 personnes dépendent de l'aide sociale. Ici à l'EHPAD, on n'a pas de dossier d'entrée. Ce qu'on fait, c'est sur rendez-vous. Et on identifie si on est l'établissement qui va répondre à la demande. Parce que parfois, la personne fait un peu appel à une institution sans avoir regardé les autres avantages ou les autres possibilités qui sont offertes encore à l'extérieur. J'entends là aménagement du domicile, famille d'accueil ou des structures plus légères que la nôtre. Et la liste d'attente, s'allonge et le temps d'entrée est parfois très long. Ça va de un mois à presque un an. Madame Moraro, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, ça fait combien d'années que vous êtes ici ? 7 ans. Et est-ce que vous êtes bien ici ? Ah oui, très bien, monsieur. Est-ce que la nourriture est bonne ? Enfin, on a des jours. Il y a des jours un peu failles. Enfin, comme notre maison même. Je suis bien de ma part, bien, je suis bien. Et m'y compte les autres aussi, il doit dire pareil. À cause de vous, dans la main, on a toujours un brebis galet. Monsieur Bellon, bonjour. Bonjour, messieurs. Ah, il y a longtemps que vous êtes ici ? 14 ans. C'est le destin. Le destin est marqué comme ça, mais il faut y passer. Est-ce que vous êtes bien ici ? Est-ce que l'accompagnement, l'environnement ? Ah, on n'a rien à dire. Il n'y a pas de tout qui va les choses en face pareil. Mais pour moi, on n'a rien à dire. Et m'y voit les autres qui causent devant moi, ils n'en plaignent pas aussi. Voilà. Il est très bien, Sidon. On n'a rien à dire, Sidon. Très bien. Monsieur Grondin, bonjour. Bonjour. Vous avez quel âge ? Hein ? Ah non, je ne connais pas quel âge, moi. Je peux avoir un nom. Ah, ben, moi, tout seul. Je paierai de l'argent tout le temps jusqu'à. Bon, il va prendre, moi. Mais alors, moi, bien content ici, bien, pour me dire au moins tout seul. Ah oui. Moi, j'ai des frères aussi qui étaient à côté de moi. Moi, dans mon famille, on est là, sans souci là, c'était à côté de moi.